Oui, du coup, vous êtes à la tour là? Oui, mais le problème, tu m'as dit qu'il y avait les flics à la station. En gros, c'est qu'une personne, il faut vérifier que notre accès par lequel on va passer va pas se boucher. Allez, allez, allez. Madame. Alors en fait ici c'est un mouvement qui d'ONG de ressortissants des pays issus de là où sont implantées les plantations et en fait c'est un appel de l'Alliance internationale des riverains des plantations de Bolloré qui est une organisation qui réunit les riverains des différents pays où sont implantées ces plantations et c'est cette organisation justement internationale qui a sollicité justement des ressortissants de leur pays, des militants en France pour venir en soutien en ce moment, au moment où on parle, il y a des actions dans les différents pays, il y a des blocages d'usines au Cameroun, il y a des rassemblements qui se passent à ce moment même au Libéria, en Côte d'Ivoire. Et c'est en soutien justement à ces mouvements de riverains que cette action justement de rencontre avec les actionnaires est organisée aujourd'hui. L'objectif c'est d'interpeller le groupe Bolloré, donc le groupe Bolloré via ses actionnaires. Aujourd'hui les riverains demandent une rencontre avec le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré en 2013 a ouvert la discussion avec les riverains en acceptant d'organiser une rencontre transnationale avec les représentants des différents pays. Bonjour, excusez-nous madame. Bonjour, bonjour. Et donc, on peut discuter ? Ah oui, 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 on peut discuter, bon, bien sûr. Arrêtez. Ah non, dites à Bolloré d'arrêter. Allez à l'Assemblée, quelle Assemblée? Et Bolloré fait racheter, parce qu'il sait que bientôt, le pétrole et tout, ça va finir. Nous aurons des énergies renouvelables comme des énergies bio. Et lui, il est en train de s'accaparer de tous ces terres érables, comme ils ont été chassés en Argentine comme en Chili, pour continuer à pérenniser cette politique au détriment de la population locale. Et on n'en peut plus. En gros, le respect de ses engagements, des compensations, l'accès à l'eau, l'accès à la santé, le respect des espaces vitales. Et aujourd'hui, la Sopfine refuse de dialoguer avec la présence des communautés en arguant qu'ils ne seraient pas légitimes et que leur seul interlocuteur, c'est les autorités publiques. Voilà leurs bénéfices, voilà ce qu'ils financent. Les dividendes, voilà ce qu'ils financent. C'est ce qui paye les armes qui tuent, qui violent, qu'on tue. Voilà. Vous ne voulez pas qu'on s'en sorte. Ça suffit. Regardez ce que vous faites.